Bonjour à tous, c'est Lucky Cigar. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons déguster ce magnifique cigare de République Dominicaine, le Vega Fina entre Emperadores 56, un cigare mesurant une longueur de 15 cm pour un ring de 56. Déjà, avant de commencer la dégustation, je tiens d'abord à vous souhaiter une merveilleuse année 2022 à vous tous. Désolé de ne pas avoir pu faire la vidéo du mercredi, la dernière vidéo de l'année. Dernière vidéo du mercredi de décembre et la vidéo du nouvel an que je devais vous faire parce que tout simplement mon téléphone a eu un problème. Donc, je n'ai pas pu faire ces vidéos. Donc aujourd'hui, je tiens à me rattraper avec ce cigare exclusivo de la France. Donc je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc alors nous allons nous occuper de ce magnifique cigare. D'abord les arômes aux pieds. Ambiance terreuse, je crois que c'est typique de la République dominicaine. Ambiance terreuse, c'est comme quand même après, c'est comme assez lointain quand même. À part ce côté animal, tous les autres arômes sont lointains. Donc, on va retirer la bague de pied. Voilà. Voici une belle bague de pied argentée que je vais poser juste à côté de moi. Alors, aussi à Noël enfin, un membre de ma famille a reçu ce magnifique couteau des fines lames. Bon, je ne fais pas du tout un... c'est juste pour couper le cigare. Enfin, j'ai pas de partenariat avec cette marque. Je tiens à vous prévenir quand même. J'avais hésité à faire une vidéo unboxing de ce couteau, mais bon, je ne l'ai pas fait puisque par peur de croire que je suis un partenariat avec la marque. Là, je suis absolument pas connu. Donc, non. Par contre, quand même, j'ai un truc que j'ai lu, c'est que ce couteau, il peut couper un cepo de 70. En fait, pour avoir déjà testé ce couteau avec un cigare d'un cepo de 60, en fait, ça les met juste. Enfin, Après, je n'ai jamais tenu de cigare avec un cepo de 70 parce que fumer un cigare avec des cepos comme ça, tout simplement, ça m'intéresse pas. Je dis pas peut-être, j'essaierai un jour, bien sûr, parce qu'il faut toujours essayer. Mais déjà, le cepo de 56, ça fait juste. Alors, un cepo de 70, je sais pas ce que ça donne. Je vais essayer de le couper. Voilà. Bon, par contre, je n'ai pas de pub, mais quand même, c'est vrai que ce couteau, il fait d'excellentes coupes. Quand même. Ça, on va pas se le cacher. On n'a même pas besoin d'y aller fort, on peut y aller tout doux. Franchement, c'est quand même un bon couteau, vous faites là, les filles. On va quand même enlever les billettes avant de faire le tirage accru.
Ah ouais, là, on retrouve complètement la terre au tirage à la crue, mais quand même, je tiens à noter un tirage quand même un peu trop aéré. Eh, le côté piquant sa langue, enfin, juste un peu. C'est pas non plus très piquant, mais... C'est pas non plus très piquant, mais... Mais on l'a quand même un peu. Ah! Déjà, bon, je... Déjà, résolution 2022 pour la chaîne, bah... Tout faire pour qu'il n'y ait plus de pubs qui viennent nous déranger pendant les vidéos. Alors, oublions la pub. Bon, j'ai quand même des notes herbacées sur le cigare. Bon, après, c'est quand même le tirage aéré qui dérange un peu pour la perception des arômes. Bon. Bon. Bon, désolé, je vais l'enlever. Bon, comme ça, vous pouvez apercevoir ce magnifique poster. Et aussi, résolution 2022, bah, trouver une meilleure chaise, enfin, qui fait plus ce fumoir, quoi. Ou aussi, remplacer ce drapeau de la Suède par genre un beau poster du cigare. Je sais pas, je verrais un magnifique tableau. Un magnifique tableau avec des bagues, parce que j'avais quand même une belle collection. Bon. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour déguster ce cigare. Le pied est assez toasté parce qu'en fait, ouais, comme il fait quand même un peu noir et qu'on est le soir, j'ai un peu du mal à voir le cigare. Je vais quand même mettre le cendrier sur mes genoux. Oh là là. Bon, pour les allumettes, bah 2022, bah, ça commence bien. Hein. Bon, si elle met le parapente, je vais pas me casser les pieds, je vais faire un brique et torche. Voilà, flambe bien. Parfait, petite allumette. Quoi ça? Le palais. Putain, enfin, désolé pour le gros mot, mais je tire comme un sonnet, puis ça vient pas. Putain,
Peut-être pas, je me crame les doigts. C'est quoi ce bazar? Pas comme par magie que le briquet ça marche. Je sais pas. J'ai quand même mettre un coup de torche. Parce que je ne cache pas que c'est mal embrasé. Bon. Le pied est quand même un peu mal embrasé, mais c'est pas grave. On va quand même passer à la dégustation. Faut toujours contrôler. Bon, c'est parti pour la première bouffée du premier cigare de l'année 2022. Et également le premier pour moi, bah, puisque je n'ai toujours pas fumé de cigare cette année, et bah, maintenant grâce à YouTube, je peux partager mon premier cigare de l'année avec vous. Alors là, on est complètement sur un côté animal, j'irais même vieux cuir. Enfin, on a de la thérubine, mais vraiment en arrière-plan. On est plus sur du cuir dans cette première bouffée. Enfin, c'est pas très fort, mais c'est, on va dire que c'est moyen. Déjà, on a un beau volume de fumée. Déjà. Regardez, comme je le craignais déjà, bah, ce côté-là n'est pas consumé. Ah oui, quand j'y pense, j'ai oublié de faire le toucher. On va le faire maintenant. Je suis complètement désolé. J'ai oublié de faire le toucher, bah je le fais maintenant. Si vous voulez tout savoir, là on a un gros point mou, juste là. Mais à part ça, la vitole est parfaite. Voilà. C'était le toucher en retard, après l'allumage. Ce beau petit nuage. Bon les amis, on se retrouve pour la fin de ce premier tiers, début du deuxième tiers de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve pour la fin de ce premier tiers de cette dégustation. Et regardez-moi cette cendre juste magnifique, bien blanche, bien compacte, pas aérée du tout. Vraiment, c'est une des plus belles cendres que j'ai vues lors d'une dégustation de cigares. Regardez, magnifique, elle penche, mais juste... On n'a pas de caméra, mais elle penche, elle est juste à peine. Vraiment, elle s'effrite même pas, mais... Je vous jure. Bon, ça peut vous paraître fou, mais... Regardez, cette cendre est une beauté. Vraiment. Quelle beauté, cette cendre, vraiment. Mais pas du tout de souci de combustion. Que je me suis fait au début du premier tiers, par les peurs que je me suis fait, et bah franchement, aucun souci là-dessus.
vraiment pour l'instant un cigare qui est excellent. Du cuir, de l'air bassé, une belle palette aromatique. C'est ni doux ni fort, c'est moyen, c'est impeccable. Vraiment. J'espère qu'il ne va pas du tout tomber dans l'amertume. Parce que, bon, je sais, ça va arriver de toute façon. Je vais sûrement devoir faire un dégazage parce que le cigare est jeune. C'est bien ça le problème des cigares jeunes, comme vous le savez tous, chers amateurs. Même si je sais qu'à mon avis, la plupart qui vont regarder cette vidéo ne sont pas forcément des amateurs. Quelle beauté cette scène. Oh là là, encore la pub. Attendez, je me laisse deux secondes. Surtout, attends, je veux bien vous montrer à la caméra, mais regardez la nervure principale qui se voit dans la cendre. Vous voyez ce trait noir là? Et bien ça, c'est la nervure principale, mais c'est beau à regarder, franchement. Waouh! Et même on voit l'autre nervure, enfin là on la voit moins bien, mais et juste ça, ça fait une colline. Franchement, déjà, le cigare, la première dégustation de l'année, elle commence bien. Une belle cendre, un beau cigare magnifique. Il est bon pour l'instant. La dernière fois j'ai eu une belle cendre comme ça, c'était sur l'Opus X de Arturo Fuente. Mais bon, je sais que c'est pas comparable. C'est comme si on comparait une montre Casio à une Rolex. C'est pas du tout comparable. Enfin, allez, même pas mauvais exemple. Allez, à une Clio, à une Rolls-Royce. Bon, parce que il faut bien se l'avouer, l'Opus X, c'est la Rolls-Royce du cigare. C'est vraiment le meilleur cigare que j'ai pu déguster. Enfin, j'espère qu'un jour, je redéguste un Opus X. Bien sûr, cette fois, je le ferai en vidéo. C'était pour Noël 2020 que je m'étais fait le plaisir de me déguster ce magnifique cigare. Pas peut-être que Noël, cette année... Au lieu d'un avis d'opin, ce sera un Opus X encore. J'en trouve un, je le fais virer parce que je l'avais quand même fait virer. Quand même 3 mois avant de le fumer. Voilà, imaginez si je le fais virer à peu près 11 mois, on va dire. Là, le cigare n'en sera que magnifique. Mais bon, déjà en attendant l'Opus X, j'ai quand même pu acquérir de belles vitoles pour cette année. Donc alors. Bon les amis, on se retrouve pour le fin du deuxième, début du troisième tiers. Avec cette cendre, j'espère qu'il va durer. Bon, à mon avis, non. Bon, on verra ça dans... on verra ça tout à l'heure. Bon, les amis, on se retrouve pour le troisième tiers de cette dégustation. Et comme je le craignais, le cigare est encore plongé dans l'amertume. C'est vraiment désagréable. J'ai beau faire des dégazages, mais c'est des dégazages monstrueux. Enfin, pas dire monstrueux, mais c'est quand même de beaux dégazages. Et le cigare n'apporte plus rien, il nous fait payer sa jeunesse.
Non. Là, c'est vraiment pas bon. Pas bon du tout. Bon, je vais quand même faire un dégazage en direct pour vous montrer. Enfin, espérons qu'on le retrouve encore une fois meilleur. Donc, je retire la bague de Vega Final, la troisième bague de ce cigare. Donc on va couper la cendre. On en cendrier. Et c'est parti pour le dégazage. Là, le dégazage était quand même petit, mais tout à l'heure, il était bien plus gros que ça. Bon, nous allons voir, est-ce que il y a encore de l'amertume ou il y a un espoir qu'il soit redevenu meilleur. Eh bien, nous allons découvrir en quelques instants. Ça fait rien du tout. Bon les amis, à part ça, c'était le premier cigare de l'année. Bon, à part ça, c'était un excellent cigare. Bon, bien sûr, il est jeune, mais bon, ça, on va pas lui en vouloir parce que c'est moi qui l'ai pas fait vieillir assez longtemps. Mais bon. C'était le premier cigare de l'année. Bah, on aura quand même dégusté sur la chaîne un des cigares exclusifs au Francia. Je voulais faire la dégustation du Quai d'Orsay Clemenceau, mais malheureusement, je n'ai jamais réussi à le trouver. Pour l'instant. C'est dommage parce que le Clemenceau, c'était un Churchill. Et le Churchill, c'est mon module préféré. Donc j'ai toujours de bons souvenirs avec des Churchill. Bien sûr, le Roméo et Churchill que je vous ai déjà fait, mais bien sûr, aussi dans le terroir cubain, un Churchill qui m'a marqué une dégustation au Nouvel An, pas celui-là qu'on avait là, mais au dernier Nouvel An, j'ai fumé un H-Panzer Winston et franchement, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs avec un cigare. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à en retrouver un autre. Et un jour, j'espère vous faire la dégustation du Sir Winston de Sir Chapman. Bon, les amis, on va se quitter là avec cette dégustation. Bon, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Et puis surtout, on se retrouve pour une nouvelle dégustation. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de votre famille. Bon, on se retrouve pour la prochaine dégustation qui devra arriver mercredi prochain. Allez, à bientôt les amis.